Mais commence! Mais c'est toi qui dois commencer! Mais non, c'est toi qui fais l'intro! Hey yo les gens, c'est pour le rock'n'roll! J'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de l'Aria Clan. Qui j'espère vous fera plaisir les amis. Aujourd'hui on se trouve pour un tout nouvel épisode du Perdant se fait humilier. Et aujourd'hui je suis tout simplement accompagné de Télium. Vas-y, présente-toi. Yep les gars, donc aujourd'hui un nouvel épisode. Je pense que j'ai encore gagné comme d'habitude. Aujourd'hui, on est contre la concurrence, contre la AOA qui est avec le leader Scary Movie. Pour le petit gage, ça sera le perdant met le logo de l'autre team sur le Twitter. Et puis, voilà, je pense que j'ai gagné comme d'habitude. Je crois que c'est l'épisode 10. J'ai presque tout gagné, donc voilà. Donc si vas-y. Je fais des 30, ça fera 10 euros PayPal. C'est bon ou pas? Bon, du coup, les amis, aujourd'hui, un questionnaire assez différent des autres, tout simplement car on va pas parler de Call of en général, pas de Code 4, pas de Black Ops 3, et bien sûr, un questionnaire sur la performance. Oh, du coup, moi, je suis un petit nouveau dans la performance, ça fait juste une année que je suis dedans, mais Scary Movie et Télium, ça fait pratiquement 2 ans, 3 ans chacun, c'est ça? Ouais, on est des anciens, nous. Ouais, c'est quand même des anciens. On a tout connu, gros. Ouais, voilà, du coup, moi, j'ai fait des questions, donc je sais pas si elles sont assez anciennes. Ou peut-être si elles sont trop nouvelles, je sais pas comment expliquer. Enfin bref, du coup les amis, on va enchaîner directement avec une première question de rapidité. Au moins une question simple. Simple. Vas-y, let's go. Quelle est la toute première team performance? Rage. Ouais, tiens, ce qu'elle est. Quelle info. Comment la spam. Et franchement, je pense que pour vous, c'est que des questions de rapidité. Hein. Ouais, non, mais attends, je le sens mal là. Quelle est la première personne qui a réalisé la toute première tribu nucléaire encore? Allez. Attends, mais wesh. Ouais, t'es là, mais parle pas. Mais toi, ça va plus vite. Tribu encore ou pas? Ouais, je suis sûr. Ça attends, fait alors ça une question là, points. Franchement. Ouais, c'est deux points. C'est une question pour les anciens. Et pour une question vraiment, il faut être connaisseur. Hein. Oui. Quels sont, au lancement de l'Apex Clan, les deux premiers co-leaders? Ayman, Venom. Et puis Ayman. Non. Attends, les deux premiers co-leaders. Zebi et Venom, wesh. Non, mais je dis la création de l'Apex Clan. Comment il s'appelle? Kidep? Non. Attends, t'es sûr des co-leaders ou pas? Ouais, j'étais à regarder la première vidéo, leur rooster. Co-leader, Shege? Non. J'ai pillé Ironex. Ah, y'a Ironex, ouais. Non, t'as pas le droit d'aller voir. Attends. Franchement, non, parce que j'avais un truc. Mais le non, triche pas. Aerox? Peut-être un VFX, je sais pas. Attends. Ah, c'était pas VFX là? Celui qui a fait l'intro de l'Apex? Je connais pas alors, mais C'était on dirait un peu des on dirait un peu. Ouais, Ironex, mais l'autre, on dirait un peu des abréviations, son pseudo. Franchement, je donne c'est trois lettres. Toi aussi, Télium. T'as dit quoi? Attends, non, jamais, gros. Je l'ai trouvé, t'inquiète pas. J'ai trouvé. C'est quoi que. Il était quoi à player? C'était quoi? J'ai aucune idée, j'ai vu ça dans le roster, j'ai fait la question. Mais j'ai la moitié d'un gros, quand même. Bon. Non, si, je vais le savoir, gros. Et Rage Ghost. Ça commence par un F. Fokia. FD. Non, je dis des dingueries. Non, FD78. Bon, je donne la question, enfin, c'est FRG, je sais pas comment ça se dit. Ah, Frager, mais ta gueule, wow. On me dit FRG, quoi. J'ai la moitié d'un point, par contre. Vas-y, on donne la moitié d'un point, si ça te fait plaisir. 0,5, ouais. T'es fou, quoi. Bon, alors là, c'est également une question de rapidité. Donc vous allez me donner le temps et qui a fait la nucléaire la plus rapide sans spawn trap sur le code. 33. Allez, let's go. Allez, Télium, tiens, t'as 1,5 points, GG. Qui a fait la toute première hexanucléaire? Narzo équivalente. Stéphanois. Non mais ouais, non. Narzo équivalente. Ah, c'est Narzo, j'ai pas compris. Voilà, ça, ouais. J'ai eu. Bon, Théo, t'es en demi-point, on va l'enlever parce que ça rapporte. Non, ouais, ça sert à rien, arrête, on a dit les deux par le seul, allez. La mauvaise. 2,5, alors ça fait 2-2. Qui, question de rapidité, hein, a fait la première nucléaire au point? Xerox. Allez, c'est Théo. Quoi, l'an limito? Non. Tu vois, c'est un petit peu avec le décalage de la co et tout, tu vois. Ouais, c'est sûr, mais attends. Qui, alors ça, c'est plutôt pour Sky Movie, hein. Qui a fait la toute première nucléaire au couteau sur tous les Call of confondus? Angelo. C'est moi. Angelo, il avait fait sur tous les Call of. Non, c'est quelqu'un d'archi connu.
Je sais pas, c'est... Tonio. Tonio, ouais, c'est le 25. Sur Black Ops 2, sur Hijacked. Eh mais attends, il y a combien de questions attends, encore là? Parce que je suis en train de me faire distancer un peu beaucoup. Mais là. Attends, qu'est-ce que tu racontes? Mais il a même pas fait sur W, Tonio, la Nuco. Non, pas sur W. J'ai dit tout Call of ont fondu, tout Call of comment fondu. Mais c'est pas lui qui a fait la première, gros. Sur BO1, il y en avait encore déjà. BO1? Bah oui, il y en avait large des nucléaires. Wow. Oh, attends, faut que j'aille voir. Mais tu poses des questions que tu peux même pas vérifier tes sources. Non, j'en suis sûr, gros. C'est quoi là des... Et moi, je suis sûr. On a eu au couteau balistique des nucléaires sur BO1, je me rappelle très bien des gameplays. Comment il s'appelait le mec qui était Rage? Ouais, ouais. Maniv, ouais, voilà, ouais. Maniv, il avait c'est mis quoi cette question en carton là? Mais j'ai quand même mon point. Hein. Non, c'est... non. Nuclear sur Black Ops 2. War First, Nuclear 360. Nuclear seulement C4, War First. Ah, Nuclear au couteau de combat, première dans le monde. Voilà, c'est ce que je disais. Si on verra rien, ouais, bref. La première dans le monde sur BO2, enfin bref. Nuclear, du coup, dire, pour citer... Attends, alors juste. Ouais. Ouais. C'est litigieux, mais bon. Attends, ça fait. Sky, franchement, je suis pas d'accord. Sky... Rien, Telium, j'ai 3. Telium. Donc ça fait 4 à 2 pour Telium, il reste 3 questions. Là tu l'as arnaque, il y a 3 à 2. Oh, non, j'avoue, douilleur. Du coup, point, du coup, tout, hexanucléaire, et puis spawn, truc de. Ouais, ça fait 4 points. Ouais, bah oui, vas-y, allez. Allez, on m'a douillé un point, je suis désolé, les gars. Mais... Bah, toi, t'as fait première team. Oh, bref, niquez vos meilleurs. Et après, alors, du coup. De toute façon, ça sera vérifié au montage. Alors là, il faut me trouver le nom actuel de la team qui s'appelait la Ruine FR à l'époque. Titanic Blanc. Wow, c'est qui a parlé là? J'ai rien compris. C'est moi. Vas-y, tiens. Je suis 5 de vous. Wow, bon, je vais me faire distancer là. Quel est. Qui a fait la première médaille Nuke FR? Bah, quel clan en fait? Iman en fait sur la bêta. GG, putain, t'es bien. Ouais, je m'étais même pas posé la question. C'est quoi cette douille là? Alors là, c'est la dernière question. Qui a réalisé la première Nuked Out en un seul chargeur? Ouais, c'est Skrivox. Allez, Telium, t'as gagné. Je suis trop chaud. Non, je suis vraiment un bâtard. Ville, ouais, mais moi, j'avais bien commencé. J'avais donné deux bonnes réponses, mais après, tu m'as niqué. Hein. Je suis un bâtard, c'est un truc de ouf. Ah, c'est bon, t'as gagné, Telium. Hein. C'est à deux. Bon, bah alors, ça. La Waclan. L'Archuma. Ah, wow. Waclan Subdivision oh. Et faire de la Aria Clan. Bon, vas-y, je vais clôturer la vidéo, Telium. Vas-y. Voilà. Bon, les gars, évidemment, il y aura la chaîne de Panda sur côté dans la description. Et la chaîne de Sky Movie, enfin la Awa Clan dans la description. Donc, je compte vraiment sur vous pour vous abonner aux deux chaînes, les gars. Faites leur plaisir. Sur ce, nous, on va se laisser là. Voilà, bientôt pour un nouvel épisode que je vais encore gagner. De toute façon, je suis un imbattable. On se laisse là. C'était tout. Allez, peace. Ciao, les gars. Ciao, les Rey. Ta gueule.